Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe par pain, de crosse et de crasse. Bonjour, nous sommes les Anonymous, nous avons appris les attentats du 7 janvier 2015, nous décidons donc d'interrompre temporairement notre déni de service envers le ministère de la Défense, et décidons de lancer le plus grand nombre possible de cyberattaques contre les groupes terroristes responsables de ces actes. Comme prévu sur Twitter, nous attaquerons tous les comptes Facebook, Twitter et sites en rapport avec le terrorisme, de façon à bloquer toute communication entre différents groupes ou personnes, pour empêcher d'autres attentats. Souvenez-vous, Anonymous ne laissera jamais ce droit bafoué par l'obscurantisme et le mysticisme. Nous combattrons toujours et partout les ennemis de la liberté d'expression. S'attaquer à elle, c'est s'attaquer à nous et s'attaquer à la démocratie. Attendez-vous à une réaction massive et frontale de notre part, car le combat pour la défense de ces libertés est la base même de notre mouvement. Nous présentons encore une fois nos condoléances aux familles des victimes. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un fucking massacre au sniper les gars, ça faisait longtemps. Quel plaisir de retourner sur les anciens Call of, un massacre au DRCR50. Les gars, franchement, ça fait plaisir. Un petit peu de difficulté à se réadapter au shoot, mais bon, ça va, grosse partie quand même de tonton au snipe. J'espère que cette partie va vous plaire. Je vais parler d'un sujet bien sûr sur la guerre internet Anonymous, comme vous avez pu le voir dans le petit extrait juste avant de commencer ce commentaire. On va parler un petit peu du gameplay vite fait. Bon, j'étais en solo bien sûr avec groupe de chasse, chien et microstation, donc franchement petit déblocage des chiens, microstation, un gros bordel. Première mi-temps, je vais faire. Vous avez pu constater que la partie commence à 2 minutes parce qu'en fait, vous avez raté juste 5 kills en fait. Parce que j'ai le mode studio qui a bugué, il m'a pas filmé la partie entière. Donc voilà, ça a commencé, j'étais à 5 pour 4. Vous allez voir, je crois que je vais faire 10 kills en première mi-temps et après, en deuxième mi-temps, un véritable fucking massacre au sniper avec les score streak d'assaut et tout. Quel plaisir les gars d'envoyer des score streaks d'assaut. Mais c'est carrément énorme quoi. Sur Advanced Warfare, on envoie des Warbirds, des Paladins, des Bombards et on fait au pire, on fait 10 kills au maxi quoi. Si on vous pète pas le Warbird avec un IUM fait modifié hein, qui pète les score streaks, franchement là ça fait plaisir quoi. Tu vois, tu débloques la microstation, tu vois bien les mecs, t'envoies le chien groupe de chasse, tu vois la barre de vie qui augmente et tout. Ça fait plaisir, j'ai eu franchement un réel plaisir de re-sniper sur Black Ops 2. Et vous avez été nombreux à répondre sur Facebook, comme je le dis tout le temps les gars. Mon compte Facebook se bloque à 5000 personnes. Là on est à 4200. Je vais vous mettre un petit screen à l'écran. Souvent je vous demande ce que vous voulez comme vidéo, qu'est-ce que vous préférez comme massacre, celui-là, celui-ci, vous voyez. Voilà, comme c'est affiché à l'écran. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook les gars, c'est très important. Et mettez-moi un ami proche, au pire comme ça, à chaque fois que je fais une publication, vous voyez ce que je publie, vous voyez mes nouvelles vidéos, vous ne ratez rien. Bien sûr, suivez-moi aussi sur Twitter. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de cette guerre de net. On va quand même envoyer le sujet. Cette fameuse guerre du net, c'est franchement, moi au début quand j'ai vu les déclarations d'Anonymous, je me suis dit, ouais ça y est, ils font du buzz aussi, c'est parti, c'est fait pour faire du buzz. Et là, j'ai un peu scruté internet hier, avant-hier, et j'ai appris qu'en fait, c'était pas du buzz. Ils ont attaqué il y a une estimation, entre 8 et 10 000 sites, c'est-à-dire entre sites, quand je dis sites, c'est tout confondu, c'est sites internet, Facebook, compte Twitter, en fait, tout ce qui est moyen de communication, en fait.
Ils ont carrément bloqué des sites fermés, enfin ils ont dénoncé des sites terroristes. Et bah, je me suis dit, ouais, c'est pas une mauvaise action, ça peut être sympa. Malgré que j'ai vu un reportage où il y a un policier qui disait qu'en fait c'était pas très très bon qu'ils ferment des sites ou qu'ils les bloquent. Parce que justement la police se servait de ces fameux sites pour arriver à trouver des pistes sur les personnes qui font partie de ces groupes terroristes. Là, bien évidemment, en ce moment, c'est les groupes terroristes djihadistes, mais bon, quand je dis terroriste, vous savez, je mélange tous les terroristes. Pour moi, un terroriste, que ce soit, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, que ce soit un Chinois, un Africain, un musulman, un Juif, ce que tu veux, un Français, n'importe quoi, c'est tout des terroristes. Pour moi, voilà, donc là, effectivement, on parle de ça parce que c'est les événements du moment. Et d'après ce que j'ai vu sur un site internet tout à l'heure, et à ce qui paraîtrait, l'attaque qu'il y a eu il y a pas longtemps, là, je crois que c'était hier, en Belgique, où ils ont rentré, ils ont voulu interpeller des terroristes djihadistes. Bon, ça a tiré à la calache et tout, il y a eu 2 morts, 1 blessé grave du côté des terroristes. Et apparemment, c'est Anonymous qui aurait envoyé l'alerte par rapport à un site qui était surveillé et où il y a un de ces fameux terroristes qui a dit que ça allait les terroristes de Belgique allaient passer à l'attaque. Et effectivement, ils ont perquisitionné la maison, enfin, bon, ils ont retrouvé des explosifs, des AK-47, voilà, donc ils comptaient passer à l'attaque. Donc, est-ce que votre avis aujourd'hui, la question est là, est-ce que vous pensez... Ah, téléphone qui sonne toujours quand ça ne va pas. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une bonne chose qu'Anonymous attaque les cyber... tout ce qui est réseaux sociaux terroristes, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Et j'ai appris aussi que les réseaux terroristes ne se sont pas laissés faire aussi. D'après une organisation qui est sur une association pour le piratage internet en France, il y a eu plus de 1000 sites attaqués au niveau terroriste, mais dans l'autre sens quoi en fait. Vous voyez, c'est pour la guerre en fait, l'Anonymous contre les terroristes djihadistes, pour la guerre. Il y a eu 1000 sites attaqués, il y a eu 26 sites du gouvernement, enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Bref, ils se renvoient un petit peu la balle et tout, et j'ai envie de te dire, je sais pas quoi penser de tout ça. Donc aujourd'hui je suis là pour cette vidéo les gars. Moi je vous ai raconté un petit peu l'histoire, pour ceux qui ne savaient pas, je vous ai montré la vidéo d'Anonymous. Je n'ai pas de vidéo du côté terroriste, sinon je l'aurais montré aussi. Donc j'attends de vous dans les commentaires déjà un petit like pour le gameplay, parce que c'est un fucking carnage au sniper de tonton. Parce que j'ai vu que vous ramollissez un petit peu sur les likes, hein. Ça y est, on était bien monté là, hop, on redescend, allez, ça y est, là, ça se laisse aller les gars, un petit clic pour tonton là. Et surtout, mettez-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez de cette guerre du net. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous pensez qu'Anonymous fait une bonne chose, est-ce que vous pensez que ça va empirer, est-ce que ça va empêcher des enquêtes antiterroriste, tout ça. Est-ce que vous pensez une bonne chose? Est-ce qu'ils font ça pour le buzz? Donc j'attends vraiment de vous dans les commentaires les gars d'être respectueux. C'est-à-dire quand je dis respectueux, je supprimerai tout commentaire à titre raciste, à titre antisémite. Moi je veux juste des commentaires genre peace, tu vois. En gros, tu me donnes ton avis mais tout en respectant ton point de vue et en respectant le point de vue de certains qui vont mettre d'autres commentaires. Peut-être ça t'ira pas en fait, tu vois. Donc vraiment, j'attends vous, je suis impatient de voir vos commentaires parce que franchement, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez un peu de cette histoire de guerre du net. Alors je finis pour un 56-8, donc je finis premier de la game, un sacré massacre au sniper. Alors les gars, n'oubliez pas, vraiment, hein, mettez-moi des commentaires, je suis vraiment impatient, je veux voir, rappelez-vous, je vous donne un petit peu, je vous envoie un petit peu les principaux sujets. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de fermer tous ces sites internet, de les traquer, les terroristes? Est-ce que vous pensez qu'au contraire ils vont les terroristes eux de leur côté aussi ont des pirateurs, des hackers, donc est-ce que vous pensez que ça va pas faire une guerre terroriste sur le net trop chiante quoi? Est-ce que vous pensez que c'est pour le buzz? Est-ce que vous pensez que ça va aider le gouvernement à démanteler des réseaux terroristes? Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, envoyez du commentaire, mettez vraiment à fond ce que vous pensez. N'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes aussi les gars, parce que franchement ça me ferait plaisir que voilà, vous lâchiez vos petits pouces sur World at War. Je me suis régalé sur ce gameplay, ça sur la dernière DNA fucking rush à la KF5, plus de 100 kills. N'oubliez pas, suivez-moi sur Twitter, Facebook. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous. Moi j'ai ma fille ce week-end, donc je regarderai vos commentaires je pense souvent dimanche soir. N'hésitez pas à bombarder de likes et sur ce, bon week-end à tous. Allez, ciao les gars.